On devrait, oui, en savoir plus dans les prochains mois. On pourrait quand même certainement dire qu'il va y avoir du golf cet été à la fin. Donc, je vous reviens ce soir avec plus de détails. Merci beaucoup, Denis. Merci, je vous en prie. À Lebel sur Quévillon maintenant. À mis à part le projet Fortress Paper, la municipalité voit son effervescence à d'autres grands projets. Deux projets miniers sont déjà sur les rails et deux autres sont en chantier. Dans la deuxième de sa série de reportages, Michel Ducas a constaté que Lebel sur Quévillon ne veut plus répéter les erreurs du passé. Pas température qu'il y a là, ça va être trop froid. Le sourire est revenu sur des visages qui, jadis, montraient les stigmates de la misère. Mais s'il était très commun aux Quévillonnais et Quévillonnaises, c'est cette magnifique résilience qui leur a permis de tenir le coup. Aujourd'hui, la plupart des commerçants du coin le voient, le retour des sourires. On le sent. Oh oui, moi je m'en aperçois, là, d'après mon chiffre d'affaires, là, ça augmente tranquillement, un petit peu. Alors, c'est encourageant, tu sais, on se dit, ben, écoute, on n'a peut-être pas vécu les vaches maigres pour rien, là. Actuellement, une quarantaine de personnes travaillent à la conversion de l'usine de Fortress. Mais ce n'est pas le seul projet qui provoque de l'enthousiasme. Au moins deux projets miniers sont déjà en route, ceux de Nearstar et de Métanor, en plus de deux autres projets à venir et, du côté forestier, la modernisation de l'usine de Résolu. La relance a tout de même ses critiques. Ce ne sont pas tous les commerçants qui vivent la reprise de la même façon. Stéphane Dubreuil est copropriétaire de la quincaillerie Rona à Lebel-sur-Quévillon. Pour lui, la reprise tarde à arriver, mais il blâme le gouvernement du Parti québécois qui a ralenti le plan Nord. C'était excellent, surtout avec le plan Nord. Ça fourmillait beaucoup, mais depuis que le gouvernement a changé, on dirait que le plan Nord est plus mort. Puis ça l'a redescendu. Peut-être que c'est juste une accalmie, puis ça va recommencer, mais ça l'a redescendu comparativement à l'année passée. Autre trait caractéristique des gens de Lebel-sur-Quévillon, ils sont très attachés à leur coin de pays. Alain Lévesque, qui avait racheté la pharmacie en 2006, a pris une seconde chance l'an dernier en acquérant le centre commercial de l'endroit des mains d'un promoteur de Montréal. Un geste d'affaires, certes, mais surtout un geste pour la communauté. Nous, on se disait, la communauté nous donne beaucoup. Donc, pour donner à la communauté, on voulait ouvrir de nouveaux commerces et tout, puis laisser la chance aux jeunes qui n'ont pas de fonds de roulement, qui n'ont pas d'argent pour partir, d'être là, d'être présent dans la ville. C'est que souvent, on est plus au courant que quelqu'un qui est de l'extérieur. Un attachement qui a aussi incité Stéphane Dubreuil à persévérer. Je suis venu au monde à Lebel-sur-Quévillon. J'ai toujours aimé ça vivre ici. Peu importe comment que l'économie va aller, je pense qu'il faut s'adapter. Puis c'est le sentiment d'appartenance qui fait qu'on est bien chez nous, pas nécessairement juste l'économie. Lebel-sur-Quévillon a retenu des leçons profitables de la fermeture de la Domtar en 2005. Outre Fortress Paper, deux autres projets dans le domaine minier ainsi qu'un projet du côté de produits forestiers résolus sont sur la table à dessin et pourraient attirer jusqu'à 800 nouveaux travailleurs. Non, cette fois-ci, Lebel-sur-Quévillon ne met pas ses œufs dans le même panier. Michel Ducas, RNC Média, Lebel-sur-Quévillon. Québec assouplit les règles d'exploitation de la minière Osisko. Dorénavant, la mine Canadian Malartic aura droit à deux sautages par jour entre 11h et midi et entre 15h et 16h. Depuis, la durée des sautages passe de 6 à 15 secondes. Selon le président d'Osisko, Sean Rusin, l'assouplissement des conditions permettra un accès plus facile à la partie nord du gisement et l'amélioration générale des opérations de sauvetage. La ville d'Amos, maintenant, a décidé de prendre position face aux réductions de budget demandées par le gouvernement du Québec qui touchent le campus du Cégep et de l'Université. Dans une résolution qui sera transmise au ministère, la ville demande au gouvernement de revenir sur sa décision, soit de réduire le budget des universités québécoises de 5 % et des cégeps de 21 500 000 $. Des réductions qui pourraient affecter les services aux étudiants, selon la ville. Le Québec doit faire des choix difficiles, mais en tout cas, au niveau de la ville d'Amos, on pense que ce n'est peut-être pas l'option à prendre. Donc, on soutient notre Université du Québec et notre cégep qui, rappelons-le, ont développé un modèle d'offre de services tout à fait particulier en rendant admissibles, dans le fond, les services sur tout le territoire. Donc, nous, on tient à ce que ça soit encore possible de le faire comme ça. La ville de Val-d'Or prend les grands moyens pour empêcher les citoyens de déposer leur neige dans la rue. Jusqu'ici, la municipalité donnait un avertissement. Aujourd'hui, toute infraction au règlement municipal rend le contrevenant passible d'une amende de 60 $ plus les frais.
Le conseiller Gilles Bérubé a indiqué que cette année, la municipalité a ramassé 20 % de pluie de neige en raison de cette problématique. Une situation qu'il qualifie d'irresponsable et qui a obligé la ville à réagir. On donnait des contraventions, si vous voulez, de courtoisie. Les contremaîtres de la ville, les travaux publics, donnaient des papiers au monde pour leur dire « mettez pas votre neige sur les terres pleines » ou « dans la rue ». On charriait jusqu'à 20 % plus de...